Attention, juste un petit warning, cette vidéo va vraiment être pour ceux qui ont commencé bien comme il faut leur expérience, qui touchent leur bille en thème de montage sur YouTube. Donc, si c'est pas le cas, lancez votre chaîne, faites votre petit bout de chemin et revenez ici pour qu'on puisse parler entre amateurs. Je dirais que l'expérimentation reste tout de même une dominante assez importante dans le métier de YouTubeur et au fond, je l'ai répété dans quasiment chaque segment de cette émission depuis sa création, si l'on veut avancer et découvrir de nouvelles possibilités de création et d'initiation, il faut forcément aller dans ce sens et proposer des choses nouvelles aux spectateurs qui te regardent, cela est sûr. Dans le domaine du montage, l'expérimentation reste quelque chose de très subtil, qu'il faut utiliser avec parcimonie et surtout élégance, car tu devras tout simplement savoir à quel moment mettre cela en forme de la meilleure manière possible. Et c'est tout cela qu'il faut retenir avant qu'on aille plus loin, dans le sens où le moindre petit effet que tu chercheras à placer dans ce domaine se verra tout de suite, et donc peut résonner comme un élément très perturbant pour le spectateur. Donc, choisis bien ce que tu veux mettre en place avant de le faire, et surtout de l'incorporer à ton montage final, parce que là sinon, peut virer à la catastrophe. Par exemple, lorsque j'ai commencé à mettre en place mes vidéos autour des auteurs, je me suis longtemps demandé ce qui serait le plus intéressant à mettre en avant, l'auteur ou bien son œuvre, comme ce fut le cas avant avec l'artiste derrière l'homme ou la femme, où je me suis souvent posé la question. Là-dessus, j'ai donc décidé de jouer avec ces effets de superposition où tantôt c'est le film qui ressort et tantôt c'est l'œuvre ainsi que l'auteur. Eh bien, sachez que j'ai testé sur pas mal de personnes cet effet avant de choisir de le mettre dans mes vidéos. Juste pour être sûr que l'idée fonctionnerait et que surtout, cela serait une bonne chose et qu'elle marcherait sur les spectateurs. Et cela n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que je pourrais vous ressortir. Avec tout cela, une chose est sûre. Testez ce que vous expérimentez sur un public qui vous connaît et qui saura surtout vous dire si c'est bon ou mauvais. Parce qu'un public nouveau va peut-être avoir tendance à ne pas être très objectif. L'expérimentation est géniale, car il y a ce terrain vers l'inconnu qui se dresse devant vous et qui vous donnera une jolie petite boule au ventre, mais qui donne de l'énergie à en revendre par paquet de 12 et qui vous poussera à aller encore plus loin dans tout ce que vous choisirez d'entreprendre et de faire en tant que YouTubeur. N'hésite pas, teste tout ce que tu peux, fais en sorte de jouer avec ton logiciel et surtout, avant de sortir tout cela, demande l'avis d'experts ou d'amis, histoire d'être sûr que ton idée n'est pas à mettre à la poubelle et à partir de là tu sauras si tu as fait le bon choix ou si c'était une bonne grosse idée toute pourrie comme il faut. Mine de rien, ça peut vraiment te sauver la vie ce petit instant de recul que t'offriront tes proches. Et donc, étant donné qu'on vient de terminer, on va dire en grande majorité, tout ce qu'il y a à savoir en termes de technique, on va parler de quelque chose de très spécifique. Et c'est comment choisir ses collègues de travail.